Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de Pokémon Rouge Feu sur la Game Boy Advance. Et c'est celui-là, on continue notre aventure parce que la dernière fois, on a fait un petit voyage vers les îles avec Léo. On a rendu service avec une petite quête pour son ami ici, Léo. Enfin, on est retourné. Maintenant, nous sommes retournés à Jadiel, près de notre ville de départ. Et on dirait bien que le champion de l'arène est de retour. Donc voilà, je vais mettre la grande en avant. Et allons-y. On va affronter pas mal de dresseurs ici dans cette arène. Je viens juste de l'éviter. C'est pas que je me fatigue. Il y a pas mal de top dresseurs ici. Un sableur de niveau 38, pas mal. Libre à quoi? Est-ce que ça va le mettre KO en un seul coup? Évidemment. Bien. Un Gravalanche. C'est toujours ce que j'ai voulu. Juste des Pokémon Roche. Pour gagner de l'expérience gratuite. Boum. Bientôt la grande va atteindre le niveau 52. Ouh, il a un ossature. Surf. Super efficace. Et je crois bien que la grande va évoluer au niveau 52. Super bien. Maintenant, la grande tente d'apprendre séisme. J'adore vraiment. Et je vais l'apprendre. Sans hésiter. À la place de tir debout. Voilà. On va utiliser un onyx, je garde toujours. Voilà, on va utiliser Vibraquoi. Excellent. Un autre Gravalanche. Et voilà, ça va le mettre KO. Par la même occasion, on a gagné. Point voir, je crois bien que le prochain va avoir des Pokémon de type combat. Alors, garde voir en avant. Waouh, un Machoke niveau 40 qui n'a pas encore évolué. Ça fait peur. Ou non. Peut-être moi j'ai la possibilité de les ignorer. Parce que j'ai déjà un bon niveau. Mais bon. Je veux pas rater cette occasion pour gagner de l'expérience gratuite. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le combat des dresseurs, ça rapporte beaucoup d'expérience. Mieux que ceux que les Pokémon sauvages. Bon, vous savez quoi? Je vais mettre d'attaque en avant. Tu te fais de la belle musique. On s'en fout. Wow, un Rhinocorne. Pas mal. J'adore d'attaque. Vraiment. On va utiliser Morsure. Et il a la trouille. Bien. Oh, tu n'avais qu'un seul Pokémon. Ok.
un autre top dresseur. Avec un ossature. Bien. Je vais utiliser Dracosauve. Bon, pas mal. J'utilise une hyper potion. Oh man, ça va. Mais c'est pas du tout grave. Encore une fois, morsure. Bien. Un rhinocorps. Je garde toujours de l'attaque. En un seul coup. Un autre ossature. Je vais mettre. Mettre la grande. Surf. J'aime bien les musiques des combats de Pokémon. Elles sont vraiment mélodieuses. Nidorina. Voici l'occasion d'utiliser Seize. Super puissante. Bien sûr que je vais utiliser Seize sur toi encore. Allez, pour le plaisir du coup. Excellent. Nous avons battu le top dresseur sans difficulté. Un point encore. Tu es le roi des... Il se dit le roi du karaté. Mon œil. Vol. Bien. Machop. Ça va pas être difficile. Allez, coup de boule. Joli coup critique. Un autre Machopper. Donc, la routine, on va utiliser vol. Bien. Il nous a bloqué la route. Voilà. Tandis qu'il y a d'autres dresseurs qui en avant d'attaque. Ok. Mais ne touche pas mes Pokémon. Oh oh, il a un Hawk niveau 39. C'est rigolo de les voir s'intimider, tous les deux. Ok, on va utiliser Drapeau Souffle. Attaque non physique. Ah, Hawk. Ton tour était en vain. Et voilà. Presque niveau 51. Ouh, il va utiliser un Tauros. Je garde toujours notre attaque. Ok, coup de boule. Je vais utiliser Dracosouffle. C'est mieux. Bien.
et Dratak monte au niveau 51. Pas mal. Je devrais mettre qui en avant maintenant. Trop bien que la grande fera l'affaire. Ah, ma chopper de niveau 43. Je vais utiliser ça. Bien. Vibre à quoi? Éliminer en un seul coup. On gagne toujours. Voyons voir ce que tu as. On sait qu'il est revenu. C'est pour cela que je suis venu pour le battre. 5 Pokémon. Allez, vibre à quoi? Presque 53, allez, on peut y arriver. Excellent. Félicitations. Rhinocore, ok. La grande vraiment commence à être un Pokémon vraiment redoutable. Ou bien dit déjà, il a vraiment les stats très très équilibrés. Séisme. C'est pour ça que je préfère toujours ce starter. Nidoking, c'est pas grave. Allez, séisme. Toi aussi. Excellent. On a reporté le combat. Voilà. Maintenant, on est prêt à affronter le champion. Je pense que je vais laisser la grande en avant. Bon, petite sauvegarde, puis... Fouahaha, te voici moi dans mon repère. Je voulais reformer la Team Rocket ici. Vous allez deviner qui est-ce. C'est Giovanni. Celui qu'on a battu à la Scoop Sylph. À la Sylph Sar. Je veux dire, pas le Scoopsie, la Sylphsa. Et c'est lui le champion de l'arène de Jadir. Allez, on va le battre en 2 secondes, rapidement. Pas 2 secondes. C'était une exagération, mais bon. Ça veut dire qu'on va le battre rapidement. Surf. Ah. Oh, joli coup critique, mais c'est pas assez pour mettre la grande au tapis. Par contre, la grande peut te mettre au tapis en un seul. Nidoqueen. Donc, voilà, c'est easy. Super, la grande. Niveau plus.
D'accord, j'adore vraiment. Regardez-moi ces stats. Et un Nidoking, je perds toujours, d'accord. Et Galon 3 aussi, 16. Excellent. Il va utiliser enfin Rhinocorne. De niveau 50. Avec un vieux bras quoi, ça sera pas trop difficile. Voilà, super efficace. Et sans problème, on a battu le champion Giovanni. Dans le dernier badge du jeu, le badge terre. Là, c'était 26 qui contient ces îles. Excellent. Maintenant, on est prêt à aller vers la ligue Pokémon. Avant toute chose, on doit aller se soigner. Allons-y. Ah oui, j'ai oublié. Parlons à celui-là. Ah non, il vous apprend une attaque. Donc on n'a pas besoin, vraiment. Bon, allons-y. Faire la route 22. Avant toute chose, je vais mettre la grande en arrière, ici. Car ici il faut aller en avant. Vous allez savoir pourquoi, parce qu'on est sur le point de revoir notre rival. Mais évidemment tu parles. Un duel lancé par notre rival. Et maintenant 6 Pokémon. Waouh. Ok. Un gros carnage niveau 47. On va utiliser Honte Choc rapidement. Ça va être super super efficace. Honte Choc encore une fois. Super bien. On va utiliser un Rhinocorne. Sans problème, la grande. Ça va être un jeu d'enfant. Allez, vibre à quoi? Bien. Va utiliser un 9-9, ça va facile. Démolos, c'est pour toi. Allez, feinte. Super bien. Va utiliser un top tank. Allez, Vantali, c'est pour toi. Avant toute chose, je vais le paralyser avec cache éclair. Excellent. J'espère bien qu'il va être paralysé. Super bien. Allez, honte de choc. Et hop. Bien.
ça va faire mal. Allez, on te choque encore une fois. J'espère bien que son prochain tour, il sera pas à le réaliser. Encore une fois, allez. Ah ben non. C'est pas grave. Allez, on te choque pour en finir. Super bien, coup critique en plus. Et faut alimenter ton niveau 45 par la même occasion. Super bien. Vous allez assez rapide, il n'a pas besoin d'apprendre hâte. Utiliser un Caninos. Bien, c'est une occasion puisque la grenade à Pokémon de type eau et il y a dans ce prix, donc la puissance de Pokémon eau va augmenter. Et la puissance des Pokémon feu va diminuer. Allez, fibre à quoi? Super efficace. Je vais utiliser un Alakazam, donc je vais mettre Démolos. Bien. Allez, feinte. Ah, ça va pas te servir à grand chose, sérieux. Bien. Morsure pour toi. Mais de toute façon, ça va pas être efficace. Eh bien, nous avons battu notre rival Samir. Pardon. Pardon. Et on l'a battu. Bien. Allons-y. Ah, le badge roche, je peux passer, merci. J'ai le badge cascade, laisse-moi tranquille. Le badge foudre. Et le badge prise. Sûr? Et le badge âme. Allons-y. Et le badge marée. Ah. Ouh, un psycho quoi. Bien. Je vais utiliser. Super repos, c'est la dernière super repos. Que nous avons. Voici le badge Procon. Et dernièrement. Voilà. Et voilà le dernier badge, le badge Terre présente. Voilà. Ça s'appelle la route de la victoire. Bon, je pense que je vais m'arrêter ici. Combien on a mis de temps? Donc, je crois bien que je vais m'arrêter ici. Et sur cela, je vous dis au revoir et bientôt. Et dans le prochain épisode, on va traverser la route de la vie. Au revoir.